Je pense que la plupart d'entre vous commencent à me connaître. Et si vous avez déjà vu mes vidéos Urbex, vous savez que j'aime l'aventure, j'aime aussi l'adrénaline et surtout vivre de nouvelles expériences. Cet été, je me suis donc lancé un nouveau petit défi, et pas des moindres, celui de passer mon brevet de parachutiste. Je me suis donc dit que ça serait la bienvenue de vous faire une petite vidéo là-dessus. Alors, vous êtes prêts à me suivre ? Bon les amis, c'est parti, là il est tôt, on va à la formation théorique. Et du coup, je suis gavée stressée. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris de vouloir faire ça? Qu'est-ce qui m'a pris? Je sais pas, dites-le moi. Bon, on vient d'arriver, on attend le moniteur là. Je suis au bout de ma vie, vraiment. Au bout de ma vie. Par contre, là, il y a un beau lever de soleil. Mais le temps est pas top là-bas. Là, il y a vachement de nuages. Donc, je sais pas si on pourra sauter. Ça sera la surprise. Du coup, comme vous pouvez le constater, on commence par une journée de formation théorique. Bien sûr, on n'est pas bazardé dans les airs sans savoir comment fonctionne un para. Donc, on a passé une journée sur la zone pour connaître toutes les procédures de secours et comment fonctionne le vol sous voile et toutes les étapes d'un saut en parachute. 1 week later. Ça ressemble à peu près à un sourire normalement, même si je ne suis pas pressé. Cette position, elle sera à maintenir de la sortie de l'avion jusqu'à l'ouverture du parachute. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand il se passe, 60% pied. Donc du coup, on est à la porte de l'avion, on est comme ça. Dès que c'est bon, bam, la chute commence. On maintient bien la position chutée tout le temps. Bon, c'est parti, je peux plus reculer maintenant. Me voici dans l'avion et c'est parti pour mon premier saut pour passer le brevet à parachutiste. Bon les amis, ça y est, le premier saut est fait. C'était assez stressant au départ, mais franchement c'est des sensations de dingue. Et en fait c'est assez calme hein, quand on est dans les airs. La chute libre, bien sûr, il y a beaucoup de vent, etc. Mais on se rend pas du tout compte de la vitesse. Donc le premier saut est fait, ça y est, j'ai découvert un peu tout, la chute libre, solo, la direction de voile, ça y est, seul, l'atterrissage. Je suis juste tombée un peu sur le cul, mais sinon ça allait. Et bah let's go hein, pour le second saut. Pour le second saut, on part sur une sortie d'eau et comme vous pouvez le constater, je repasse très vite sur le ventre. Mon moniteur repasse ensuite face à moi et me fait un signe comme quoi je dois toucher ma poignée témoin qui indique que je trouve bien en fait la poignée qui me permet d'ouvrir mon parachute par la suite. J'enchaîne avec la vidéo du saut de Julien où il fait une petite figure et aussi la vidéo de mon troisième saut car j'ai encore fait une sortie sur le dos avec sensiblement les mêmes exercices pendant ma chute libre.
j'ai la trace des lunettes. J'ai les petits yeux. Hein, Lilou ? Ouais. Maman, elle a fait quoi ? Du parachute. Ouais, du coup, trois sauts aujourd'hui. Je sais pas si vous m'entendez, là, il y a un avion qui décolle. Ça fait galère, oui. Enfin, première sortie avec deux moniteurs. Deuxième sortie avec un moniteur. Troisième sortie avec un moniteur sur le dos. Et du coup, ça s'est bien passé. Et c'est incroyable comme sensation. Là, j'ai un peu mal à la tête, du coup, quand même. Avec toute cette adrénaline, c'est assez dingue. Mais voilà. Mais c'est à faire. Ouais. Et moi. Bravo, bébé. Allez, le bassin vers l'avant. La tête en l'air. Tête en l'air, tends les jambes. On va faire un petit exercice qui est top, et en position. Imagine en chute. Vous l'arrêtez. Là, super. Ça sert à rien, il ne faut pas être timide dans les. Bon les amis, on est samedi, fin de journée, et demain c'est prévu de re-sauter pour le quatrième saut. Et normalement on en fait 3 minimum, voire 4, parce que du coup donc on ferait le quatrième saut, cinquième saut, sixième saut, où on est encore accompagné d'un moniteur, et le septième saut c'est le premier saut où on est vraiment tout seul quand on saute de l'avion. Et c'est pas conseillé forcément de s'arrêter au sixième saut et d'attendre plusieurs jours avant de sauter le septième. Donc voilà, je vous avoue que je suis assez angoissée parce que les prochains sauts, c'est normalement des sorties de l'avion en salto avant, salto arrière. Et je me sens pas trop rassurée de faire ça, donc j'ai un peu mal au ventre. À la fois j'ai vraiment envie d'arriver à maîtriser... voilà, cette angoisse-là et mon corps en chute libre, voilà, ça serait vraiment une prouesse pour moi de faire ça. Donc voilà, à la fois j'ai hâte, à la fois j'ai peur. J'ai rien fait, vos coordonnées 7, 10, 12, bonne chance pour le tirage au sort dans un instant.
Ça y est les amis, on a validé notre pack avec Julien. Et après, on a fait jusqu'à 10 sauts. Et du coup, donc c'était les 3 premiers sauts seuls. Du coup, c'était cool, un peu angoissant, toujours les sorties de l'avion. Julien, il a fait des sorties boules. Moi, j'ai fait sortie normale, puis j'ai testé une sortie moteur où c'était du grand n'importe quoi. Donc voilà, après, là, il va falloir s'entraîner à faire les figures qui vont être essentielles pour passer le brevet B. Et on aura notre brevet A quand on aura fait 15 sauts au total. Mais du coup, là, à part sauter seul, il n'y a pas d'autres exercices supplémentaires pour le brevet A. Voilà, donc on est hyper contents. Le seul truc qui nous embête un peu, c'est que la zone va bientôt fermer. Et après, bah, c'est toute l'interruption de l'hiver. Et du coup, ça, c'est un peu chiant parce que du coup, ça va faire plusieurs mois sans sauter. Et ça réouvre vers le mois de mars. Et en mois de mars, du coup, va falloir se remettre un peu dedans alors qu'on n'a pas fait beaucoup de sauts. Voilà. Mais bon, je pense que ça va le faire. J'espère qu'on pourra quand même sauter avant la fermeture définitive, mi-décembre. Mais bon, les deux week-ends d'ouverture de décembre, je ne sais pas quelle température il fera, quel temps il fera. Donc, ça sera peut-être un peu chaud. Voilà, mais bon, on va voir ça et en tout cas, je suis contente. Ça y est, j'ai fait mes solos. Les amis, je viens de recevoir un message qui me fait juste trop plaisir. On est le 2 décembre et ça saute aujourd'hui. Donc du coup, la zone est ouverte que l'après-midi. Moi, je vais y aller. Il fait 10 degrés dehors, donc environ moins 15 à 4000 mètres. Ça va être un sacré challenge, mais heureusement que je me suis acheté du coup des tenues chaudes pour pouvoir sauter. Donc une cagoule. Julien, a priori, il va pas sauter, il est pas très motivé. Mais moi, je veux pas louper ça. J'aimerais vraiment finir le brevet si je peux avant la fin de saison. Donc on va voir ce week-end. Du coup, c'est ouvert cet après-midi. Demain, a priori, ça va être chaud, il fait pas beau. Mais par contre, peut-être dimanche. Donc si j'y vais cet après-midi et dimanche, normalement il y a moyen de finir les 15 sauts, donc on va avoir ça, mais je suis trop contente. Je vais montrer, je m'étais acheté des lunettes parce que celles de la zone du coup elles sont quand même pas mal usées et du coup j'ai pris vraiment des lunettes qui laissent pas passer l'air et qui logiquement tiennent assez longtemps, et je me suis trouvé un petit altimètre aussi sur internet. Du coup on va le tester, voir s'il fonctionne bien aujourd'hui. Puis voilà, là j'ai pris des sous-pulls, une énième paire de chaussettes, je pense que je vais en mettre 3. Des gants qui sont fins du coup, parce qu'il faut que je chante la poignée pour ouvrir mon para. J'ai pris une cagoule, un t-shirt encore en plus, mais je vous dis, je crois que je vais me les peler quoi, s'il fait moins 15 à 4000. Bon les amis, ça y est, j'ai validé le brevet A, j'ai fait mes 15 sauts, punaise, ça y est, c'est incroyable, franchement je suis hyper contente. Et regardez là, ce beau ciel. Donc voilà, la suite ça sera l'été prochain, la zone va fermer pour le mois de décembre, janvier, février, ça réouvre en mars. Et voilà, l'année prochaine ça sera objectif le B, voire le B2. Donc voilà, j'ai hâte d'être l'été prochain. Allez, on se retrouve quand il fera chaud, bye. Ha ha ha.